J'ai relevé une chose drôle sur les réseaux depuis ce conflit, autour de ce conflit. C'est Cyril Hanouna qui a dit « Pas regarder des PMP, c'est antisémite. » Alors moi, je pensais que pas regarder des PMP, c'était quelque chose d'intelligent. Même les juifs, ils devaient être là « Wesh, Cyril, tu forces là, gars, oh. !» Même nous, regarde. D'accord. Mais je comprends. Vous savez quoi? Moi, je le comprends, Cyril Hanouna, parce que les Noirs et les Juifs, on est pareil, en fait. On est pareil dans le sens où on est des peuples, nous sommes des peuples qui avons souffert. Et on est souvent victimes de racisme ou d'antisémitisme. Et on a raison de s'offusquer 99% du temps. Mais il y a toujours 1% où on force. Je vous l'avoue. Il y a des moments où on force. Moi, je force des fois. La dernière fois, je suis allé à la boulangerie et la boulangère, elle donne des baguettes demi-cuites à tout le monde. Moi, j'arrive, c'est pas, elle me donne la baguette cramée là-bas, là. Je lui dis, c'est parce que je suis noir, c'est ça, hein? Elle était gênée, elle m'a donné la baguette gratuite. J'étais content. J'avoue, on force des fois. Moi, des fois, je vois du racisme un peu partout. Je force. Écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. Des fois, la dernière fois, je vais au solfège pour la première fois de ma vie. Et première leçon, le prof, il dit quoi? Il dit, deux noirs valent une blanche. C'est moi où je vois du racisme partout? C'est en ça que je comprends Cyril Hanouna. Je pense que la vraie solution... Je l'ai pas, moi. Je l'ai pas, la solution. Mais je sais qui a la solution. Omar Sy a la solution. Visiblement, c'est ce que pensent les médias. Ils attendent qu'Omar Sy prenne position. Moi, je pense que les médias pensent que Omar Sy, c'est vraiment Lupin. Ils disent peut-être qu'il va nous donner la solution. Omar, il est là. Non, 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 vous ne mourrez pas. Mais bah, non, c'est ouf. Non, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Enfin, si, la vraie solution, on le sait tous, ça passera par la communication, bien entendu. Je pense que, de toute manière, depuis le départ, c'est un problème de communication. Les Palestiniens reprochent aux Israéliens de leur avoir piqué des terres. Du coup, les Palestiniens manifestent avec des pancartes « Free Palestine ». Et du coup, les Israéliens, quand ils voient les pancartes « Free Palestine », ils se disent « C'est gratuit ». Du coup, ils prennent plus de Palestine. Et ça s'arrête jamais, en fait. Peut-être que c'est le niveau d'anglais qui... Je pense que le problème, c'est la communication, réellement. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se mettre à table et parler réellement de ce... Non, sérieusement, ce projet. Moi, je suis chrétien, pour si vous voulez me connaître et savoir comment je réfléchis un peu. Je suis chrétien, j'ai pas d'intérêt, ni dans l'autre, ni dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aucun intérêt. Mais je connais très bien les deux peuples. Parce qu'en tant que chrétien, moi, mon quotidien, c'est de lire la Bible et donc de lire l'histoire des Juifs. Et en tant que Renois de cité... Mon quotidien, c'est aussi de traîner avec des Arabes. Donc, je connais très bien les deux peuples. Et je voulais que je dise quelque chose. Ces deux peuples, je les aime beaucoup. Mais tu ne peux pas discuter avec ces deux peuples quand ils sont énervés. Tu ne peux pas. Il faut toujours attendre qu'ils se calment pour avoir une discussion. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus. Mais il a essayé de parler aux Juifs quand ils étaient énervés. Et depuis, il voit en travers ses mains.